comment tu te sens après cette victoire et les deux buts? Non, je me sens très bien parce que collectivement, on a fait les efforts. On a bien commencé le match, on a mis les ingrédients pour pouvoir gagner. Et quand on voit ce public qui nous a soutenus de la première à la dernière minute, on devait de faire les efforts ce soir et de bien entrer dans cette compétition. Donc c'est chose faite et je suis très content. Un moment du match qui a vraiment changé les jeux. Ben, je pense que le premier but de Génie, je pense qu'elle fait, ça fait vraiment du bien parce que c'est le premier but déjà de la compétition et on arrive à ouvrir la marque, donc je pense que ça, c'est un but qui nous libère davantage derrière et on prend encore plus confiance dans le jeu, donc ça s'est vu. Et puis derrière, après, avant la mi-temps, je pense que malgré le but refusé, on insiste, on continue et après on a mis le deuxième et le troisième, donc 3-0 à la mi-temps, je pense que ça fait vraiment du bien pour le moral. Et un conseil pour les filles qui veulent suivre ton exemple? De croire en elles. Je pense que c'est le plus important, de croire en elles. Il y aura toujours des gens qui seront contre, mais il n'y a qu'à l'intérieur qu'on sait ce qu'on veut. Donc croire en elles, avoir confiance, travailler, parce que sans travail, on ne peut pas y arriver. Donc travailler et tout simplement de prendre du plaisir, parce que le sport, avant tout, c'est un plaisir et c'est un moyen d'évacuer beaucoup de choses.